left. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، حضرات السادة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excellence, Monsieur le Président de la République des Comores. Excellence, Messieurs les Présidents des Républiques Sœurs du Congo, de Guinée-Bissau, de Mozambique, d'Angola et de Madagascar. Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, qu'il me soit permis au nom du Grand Mufti de commencer mon propos en remerciant le Président de la République pour avoir offert aux Comores une rencontre aussi auguste en invitant dans ce beau pays d'autant de personnalités et autant de sommités. Qu'il me soit ensuite permis de le féliciter pour avoir reçu une consécration à laquelle nous avons été très attentifs tous en se faisant élire à la magistrature suprême de notre pays, l'Union des Comores. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accompagner dans ses pas pour la conduite et le succès de notre pays. Mesdames et messieurs, nous avons à nous rappeler un certain nombre de nécessités, dont la première est celle de ne jamais oublier que nous constituons une nation, un peuple, un et indivisible. Nous n'avons ni ethnie, ni différence de langue, ni différence de couleur, mais plutôt, comme le dit si bien notre devise, Udzima wa Masiwa, une unité caractérisée par le verset du Coran qui nous dit Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Votre communauté est certes une seule et unique communauté. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi. Une autre nécessité, mesdames et messieurs, est celle de nous appeler à nous réconcilier. En nous disant que seul celui qui a subi un tort pardonne. Et il est naturel qu'en vivant ensemble, nous nous bousculions de temps à autre. Un proverbe mandingue nous dit « La langue et les dents étant appelées à cohabiter se querellent. » Comme la langue et les dents, nous nous bousculons naturellement, mais comme elle, nous devons nous garder d'oublier que nous sommes obligés de vivre et de construire ensemble. Mesdames et messieurs, honorable assistance, pour le père de la nation, j'ai en ce jour particulier un message particulier qu'un poète arabe appelé Ibn Duraïd dit en ces termes éloquents. Laysa ahadun min alsunin nasi salima. Nul n'est à l'abri des langues des hommes. Walaw annahu dhaka an-nabiyyu al-mutahhar. Même s'il s'agit du prophète
qui est pur et qui n'a pas de défaut. In kunta miqdaman, si tu es vaillant et courageux, yaquluna ahwaju, ils te diront que tu es idiot. Wa in kunta mifdalan, et si tu es généreux, yaquluna mubdhiru, ils diront que tu es prodigue. Wa in kunta sikitan, si tu parles peu, yaquluna abkamu, ils diront que tu es muet. Wa in kunta mintiqan, et si tu parles, yaquluna mihdharu, ils te traiteront de pipelette. Wa in kunta sawaman, si tu jeûnes beaucoup, wa bil layli qa'ima, et fais des prières la nuit, yaquluna zarrafun yura'i wa yamkuru, ils diront que tu es un matu vu qui ne fait que chercher à intéresser les gens. Fala tahtafil bin nasi fi dhammi wa thana, ne te préoccupe donc pas de ce que diront les gens, en bien ou en mal. Et ne crains que Dieu, Dieu seul est grand. J'ai également envie de lui rappeler un proverbe qu'il m'a appris jeune de Molière qui dit « Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. » Mesdames et messieurs, pour le peuple comorien, j'ai un message aussi particulier en ce jour particulier. Nous avons, mesdames et messieurs, un pays particulier parce qu'il est un des rares pays qui a inventé une notion qui s'appelle la guerre salivaire. Nous ne savons pas nous tirer dessus les uns sur les autres, mais nous savons disputer oralement, d'où cette notion si chère à notre nation et à laquelle nous devons nous tenir. Il est normal que nous divergions, il est normal que nous disputions parfois, mais cela ne doit jamais dépasser le niveau de la guerre salivaire, c'est-à-dire l'oralité, une notion dont ce monde bousculé par différentes guerres a tant besoin. Il y a également une autre exigence, cher peuple, qui est que, pour quelque raison que ce soit, le Comorien ne doit être inquiété pour ses opinions. Une autre exigence est celle de savoir que les valeurs que nous avons reçues, si particulières et si chères, autant au père de la nation qu'à nos parents, ces valeurs-là nous imposent deux choses, le respect des aînés et la miséricorde que nous avons à accorder aux plus faibles parmi nous. Ce sont les valeurs cardinales qui doivent nous gouverner, et en ce jour de joie, en ce jour de réconciliation, en ce jour de retrouvailles, en ce jour de communion de la nation comorienne, il était important de les rappeler, car vous qui êtes nos parents, nous avez éduqués dans et avec ces valeurs, et nous espérons que sous la conduite du chef de l'État, du père de la nation, eh bien, aujourd'hui sera un jour dans lequel seront effacées les rancœurs pour que puisse éclater ce que les Comores savent faire de mieux, à savoir partager la paix et vivre en paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.